لسه في واحد لسه خوي بتحمي للخطأ. الله أكبر الله أكبر. غزافني وحجري جدا. 17 يوليو 17/5/2013. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف على حي الحيدرية. الله أكبر. شغل 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 علي شغل علي. الله أكبر على الحيدرية الحيدرية. هون هون خالد أتعبوا هون. لا تخاف لا تخاف خالد. Alep, on voulait vous montrer la réalité, c'est ça. Il dit il faut se dépêcher parce qu'il y a un sniper ici, juste devant nous. Juste devant nous, il y a un sniper. Donc, il faut rouler vite. C'était le paradis derrière nous. Ici, on est dans une zone qui a été touchée en fait par un scud. Un scud, c'est l'équivalent de deux barils de TNT qui sont envoyés par le régime syrien sur les civils. Le scud a atterri directement ici et puis a ravagé tout le quartier dans un périmètre de, si je ne m'abuse, de peut-être 15, 20 ou plus de 30 mètres. Donc ça a fait tout en sachant qu'il y a eu des éclats. Voilà pour dire, il y a 30 morts ici, 30 morts donc dans cette maison qui a été détruite à peu près il y a une semaine. Donc, faut savoir que voilà, c'est un lieu que c'est exclusivement les civils qui ont été touchés. Et voilà, donc c'est une guerre qui vise à toucher les civils. Aujourd'hui, les civils, après, se retrouvent à dormir dans les mosquées. Ils n'ont pas d'endroit pour dormir, ils se retrouvent à dormir dans des tentes dehors. Et donc voilà, aujourd'hui, là, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à Alep, dans cette situation vraiment, dans un climat vraiment de peur. C'est une cruauté extrême, puisque ils lancent leur bombe, une deuxième bombe, là où ils ont lancé la première, histoire de faire un massacre le plus gros possible. C'est qu'ils ont lancé là 4 bombes en 30 minutes et donc les bombes, après la première, les suivantes sont arrivées quand les secours opéraient. Donc dans l'affaire, il y a eu quand même un docteur et 4 infirmières et infirmiers qui ont été touchés. Total bilan, 30 morts, 20 blessés, dont certains très très graves. Ta première impression là depuis que t'es arrivé, depuis qu'on est arrivé à Alep hier? Bon, c'est un champ de bataille. On dirait une zone de terrain un petit peu comme Gaza, comme Israël et Gaza. Ils tirent, ça pilonne, ça pilonne, ça pilonne. Après ici la différence c'est que c'est de l'intérieur, c'est Bachar qui tue sa population. Maintenant la population quand on la voit, ça se voit qu'elle est éprouvée, elle est touchée, ça se voit tout de suite. On sort là d'une maison où ils ont perdu beaucoup de membres de sa famille, notamment un fils qui a perdu sa mère. Et c'était triste, ses enfants ils pleuraient, c'est... voilà. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء ابدا. هذه طيب تفرج. ماذا الحديد هذا؟ فولاذ هذا. مقصود دوبي. هذا خنزير هذا. اللي روانا بها خنزير. لعنة الله عليه. نحن من أمة محمد. من أمة محمد إن شاء الله. معجوزة، ديننا معجوز. لا إله إلا الله. لعنة الله على كل ظالم. لعنة الله على كل من وقف معنا. ولعنة الله على كل من والاه. لنا الجنة بإذن الله. صامدون النصر أما الشهادة. نحن لها. نحن من أمة محمد. دعاء يا جماعة، ما طالبين من حدا شيء، من حدا يوقف معنا، لا حدا يدعمنا يصطفل، ما نطالبين شيء من حدا، والله راح تسألوا عنا يوم القيامة، والله راح تنسألوا. وقفوهم فإنهم مسؤولون. وقفوهم فإنهم مسؤولون. تجارة قلت تهجروا. تجارتنا إن شاء الله الجنة. في الله. يلا يا شباب يلا أخي دبي. في الله. بس الله يجعلنا من سلنا أخي اللي بجاه محمد. لو ما إنه لحد. S'il vous plaît, pensez, vous avez aussi un enfant de 6 ans, ou de plus ou moins. 5 euros pour une vie, c'est pas grand chose. C'est même pas un paquet de cigarettes pour ceux qui fument. Pour une journée, arrêtez de fumer et donnez 5 euros, ne serait-ce que pour acheter une couverture, pour sauver. Avec une couverture, on sauve au moins 2, voire 3 vies. S'il vous plaît. S'il n'y a personne qui vient les voir,
qui va venir les voir? Qui va venir les aider? Grâce à vous, Inch'Allah, on va pouvoir venir les aider. Donc on compte sur vous, bi-ibnillah, on compte sur vous. Inch'Allah, on va changer les choses avec vous. Changer les choses, c'était la volonté de notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La compassion, l'amour, la gentillesse, la miséricorde même envers les animaux. C'est cette douceur que le monde a négligée qui nous a poussé à ne pas nourrir la famille. Se préoccuper d'un monde trop modernisé, agité par ces va-et-vient d'une vie devenue trop agitée. C'est ce qui nous a poussé à oublier les vertus d'une terre bien-aimée, le charme et ses bienfaits. On pourra en parler presque toute une année, du lever au coucher, elle fut terriblement recommandée par notre bien-aimé, car on a fini par être bombardé. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. Il y a juste derrière moi, c'est vos dons. Continuez à les soutenir, continuez à faire des dons. Un don, vous n'avez pas idée à quel point justement ça a un impact direct pour leur vie. Pour vous, c'est quelque chose de ponctuel, mais pour eux, c'est quelque chose qui va agir au long terme. Pour nous également, c'est quelque chose qui va agir au long terme. Pour vous, c'est quelque chose qui va être inscrit comme une sadaqa jariya. Donc continuez à soutenir, continuez à faire des dons. Et Inch'Allah, Alhamdulillah, nous, vos dons, on se chargera de les ramener directement en Syrie et de les distribuer directement en famille. Wabarakallah. Ensuite, on va essayer de parcourir un petit peu la Syrie pour pouvoir apporter les aides le plus rapidement, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et continuez à nous suivre et continuez aussi à donner parce que vos dons nous permettent directement d'apporter ce type d'action, 10 000 couvertures. Alors on a imaginé un monde meilleur, on a imaginé un combat contre la misère. On a imaginé un élan de solidarité. On a imaginé jusqu'à se fraterniser. On a imaginé jusqu'à pouvoir réaliser. On a imaginé pour les personnes âgées. On a imaginé pour les affamés. On a imaginé puis distribué. On a imaginé pour les personnes que vous chérissez. On a imaginé pour les personnes qui désespéraient. On a imaginé jusqu'à ne plus pouvoir imaginer. Cet amour enseigné par notre bien-aimé, qui a traversé les frontières et soudé la communauté, pour un peuple attristé, bombardé et assiégé. C'était notre engagement devant le Seigneur des opprimés. Rester soudés jusqu'à être déterminés à ce que la baraka frappe le sol syrien et ses minarets. Une terre bénie citée par notre messager, vos dons ont changé une partie de l'humanité. Des dons tellement espérés par des gens qui méritent d'être aimés et qui demandent juste après leur communauté. Alors pour eux, nous vous remercions. Vous avez prouvé qu'ensemble, le monde peut changer. صلوا على النبي 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 صلوا